Et peu importe le réglage de la molette du thermostat, ça change rien au problème. Bon, c'est un bout de grain 180, mais j'ai pris tout simplement ce que j'avais, enfin le premier truc qui m'est tombé sous la main. D'abord le multibrin et ensuite le monobrin rigide. Parce que si tu rentres d'abord le monobrin rigide, tu peux pas rentrer le multibrin derrière. Voilà, là c'est branché. Donc non, ça n'a rien changé du tout. Donc c'est bien lui qui a un problème et qui doit être dépanné. Je vais couper le courant. Bon là c'est coupé, hein. Donc là j'ai revissé pareil chaque monobrin sur les deux vis de chaque canal du domino. Je vais en profiter pour mettre un cache parce que je pense que je vais pas utiliser cette alimentation. Ça empêchera bébé de venir toucher, vu que ça va être réalimenté à nouveau. Je suis obligé de relever ce fusible parce qu'il alimente aussi des plaques induction dans la cuisine. Et puis en plus, ça empêchera le passage de l'air. Ça isolera un petit peu. Bon les mecs, on fait n'importe quoi, ils ont vissé des vis directement dans le placo là. Tu aperçois ici une des barres du système de fixation ici. C'était pas celui-là, c'était un radiateur, ça c'est un convecteur. Ça avait été installé à l'arrache. D'ailleurs, tu le vois, il y a des trous, ils avaient vissé directement les vis à placo. Donc en fait, le truc tenait pas. À chaque fois que tu voulais le déposer, t'arrachais la moitié du mur. Donc là, j'ai rebouché avec du plâtre les quelques trous. J'ai essayé de faire ça propre. Donc déjà, j'ai dit à ma compagne, réparer le radiateur. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais en tout cas, ça va être long. Parce qu'il faut que je commence à débraser plusieurs composants de la partie de commande. En tout cas, si je veux garder la partie intelligente et sécurisée du radiateur. Mais il se trouve que on est dans la période de l'année où on a envie justement d'allumer le radiateur. Donc je lui dis, il faut qu'on trouve une solution de dépannage, quoi. C'est sûr que ça va prendre des semaines, voire des mois à réparer si je le fais moi-même. Et on va pas le faire par quelqu'un d'autre et on va préférer éviter racheter un convecteur ou un radiateur pour des soucis de budget. Donc ça, c'est un convecteur que j'ai trouvé dans la rue abandonné 2 3 jours avant que le radiateur tombe en panne. Donc je l'ai nettoyé. Je ne savais pas quoi en faire, je ne savais pas s'il fonctionnait, je savais pas si. Je me suis dit, bon, tu récupéreras le clixon, tu pourras toujours revendre, il y a un peu de cuivre, on verra bien. Et puis, il m'a bien dépanné. Autre argument, le radiateur, il cachait en fait, mais ça, il fallait déposer le radiateur pour le savoir, elle ne l'avait pas vu lors de la prospection immobilière, puisque c'est elle qui a acheté cet appartement. Dessous, en fait, là, tu ne le vois pas, mais il y avait, si tu veux, 2 trous. Avec des dominos, des sucres, et tu avais donc 2 lignes, parce qu'en fait c'est deux gaines différentes qui viennent ici. Alors on ne me demande pas la logique, mais du coup c'était un peu dommage, parce que déjà c'était pas sécurisé, c'était trou apparent, quoi, c'était juste caché par le radiateur. Donc un bébé qui passe la main derrière, ah ben, il se prenait le jus, mon gars, hein. Même un adulte, c'était quand même assez dangereux. Et il y en avait un seul des deux sur lequel le radiateur était branché. Et sans l'intermédiaire de prise, quoi. C'était branché directement par le domino. Donc, un argument aussi, c'est que je lui ai dit, pour la valeur immobilière, et puis pour toi, ne pas remettre un radiateur ou un convecteur ici, ça va te permettre quand même d'avoir 2 prises électriques. Donc, certes, il y en a une qui, là, est occupée par le système de chauffage, mais tu en as gagné une autre. Et puis, en termes de valeur de ton bien, tu as gagné de la valeur, là. Hein. Tu viens de gagner, enfin, ta chambre, elle vient de gagner quand même de l'intérêt. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, moi je trouve ça débile de mettre des convecteurs ou des radiateurs
au pied des fenêtres. Puisque la plupart d'entre nous, nous sommes des personnes d'extraction modeste ou intermédiaire modeste. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas tellement accès aux espaces verts, qu'on n'a pas tellement accès à des jolis angles de vue. Attends, je parle. Donc, les rares fenêtres qu'on a, c'est complètement débile de foutre des meubles dessous, puisque ça t'empêche de profiter des rares moments de beauté et de calme. Et surtout, 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 en fait, une fenêtre, là, c'est du double vitrage, hein, avec sa menuiserie, hein, que ce soit du double vitrage, du simple vitrage, quelle que soit ta menuiserie, en fait, c'est un radiateur aussi. Mais c'est un radiateur qui fonctionne dans le sens capter de la chaleur dans ta chambre pour le balancer derrière. Pour le balancer dehors. Et oui, hein, c'est une structure métallique, ou même quand c'est du bois, mais même le bois chauffe et donc transmet la chaleur vers l'extérieur. Et les vitres, je t'en parle même pas. Donc c'est complètement débile de foutre le système de chauffage ici, puisqu'il va faire chauffer déjà la partie de la pièce la plus froide à cause de la proximité de la fenêtre. Et il va faire chauffer aussi la fenêtre en elle-même qui va se refroidir en balançant ta chaleur dehors. Donc ce serait beaucoup plus malin, pour moi c'est sine qua non, c'est pas discutable, mais bon, c'est pas mon bien immobilier, et ma compagne n'a pas l'air au courant qu'il ne faut pas me contredire. Et j'ai remarqué chez d'autres humains aussi, d'autres humains pensent que il est normal de me contredire. Je plaisante bien entendu, enfin à moitié, parce que dans ce cas-là je suis convaincu d'avoir raison, c'est particulièrement flagrant. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour moi, c'était un peu l'occasion. Déjà, je lui avais dit, je vais dégager tous les radiateurs et les convecteurs de toutes les fenêtres. C'est complètement con. Pour moi, ça doit être sur les murs de ton logement qui sont soit en commun avec d'autres voisins, voire en commun avec d'autres pièces. Mieux, tu vois. Genre un mur à placo qui communique avec ton couloir. Comme ça, le mur, de toute façon, il finira par chauffer, mais tu fais chauffer un mur qui est chez toi. C'est-à-dire que tu transformes le mur en résistante chauffante, mais il va restituer la chaleur à l'air intérieur et non pas comme un mur là. Ce mur communique avec l'extérieur. Si tu le fais chauffer, ben, la chaleur elle va être communiquée à l'extérieur. Tu gaspilles l'électricité. Bonjour à la facture. En plus que ce soit déjà un système de chauffage particulièrement dispendieux, ce genre de chauffage électrique. Là, tu es dans le champ, s'il te plaît. Alors pour ceux qui se posent la question, ce sont deux plombs de plongée de 2 kg. Je crois que ça, j'avais acheté ça à Decathlon il y a plus de 10 ans, c'était assez intéressant. Et là, ça fait bien le job, en fait. Là, vous voyez, il est plus bas. Du coup, il va choper de l'air plus frais, plus en bas. Et ça, c'est intéressant pour le rendement du convecteur. Hein. J'ai envie de dire surtout les convecteurs. Le convecteur, lui, il fonctionne comme ça. Il chope l'air frais et il le fait remonter. Il le chauffe, ça remonte, ça repart là. Donc, plus t'es bas, mieux ça fonctionne. Donc là, on n'est pas dans la forme définitive. On a la forme de dépannage, mais pour le moment, ça marche bien. Ça ne chauffe pas le mur, là, ou pas plus que quand il y avait le système de fixation. De toute façon, c'est une petite pièce, donc on met des coups de radiateur, mais c'est sur des petites périodes. Hein. C'est un petit volume, il n'y a pas d'aération, donc ça chauffe vite. Un autre argument qui a bien fonctionné, c'est que j'ai dit à ma compagne, regarde, on habite à Montpellier, donc de toute façon, ton radiateur ou ton convecteur qui est là sous ta fenêtre, à un endroit qui te gêne pour profiter de la vue et te détendre, de toute façon, nous, le chauffage, on l'allume au pire. Hein, pour les années les moins chaudes, on l'allume de allez, novembre à avril maximum, voire peut-être même en mars, déjà on arrête, fin mars. Donc c'est complètement pas très intelligent d'avoir un meuble là, à cet endroit névralgique pour se détendre, alors que tu ne l'utilises pas de mai à octobre inclus, voire même avril. Donc on peut le dégager à la cave, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est un meuble qu'on n'utilise que, allez, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 5 mois dans l'année. C'est malin de ne pas réinstaller de solution murale avec des trous, passer sur du portatif. Comme ça, on le dégage le reste de l'année et on profite de l'espace. Puisque, comme tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous avez un espace limité chez vous. Et mine de rien, on ne se rend pas forcément compte, mais un radiateur, ça prend de la place. Hein. Outre gêner, parce que c'est foutu vraiment au pire endroit pour profiter de la vue, ça prend de la place. Hein. Et puis, ça libérera une prise électrique. C'est toujours ça de gagner. Je sais que c'est pas parfaitement de niveau, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, et puis j'avais pas d'emplacement double. Je lui ai dit aussi pour tes locataires, parce qu'il y a toujours cette histoire de trouver des locataires une fois que le bien aura été remboursé, eh ben, tes locataires, tu peux leur dire ça. Hein. Ça marche aussi pour les locataires. Hein. Voire même si tu fais un peu de haute saison, bah, c'est toujours ça. Bien de pouvoir enlever ton radiateur et de le remettre que pour la saison hivernale. Et ça se défend auprès d'un locataire, les économies d'énergie qu'on fait en arrêtant de chauffer sous les fenêtres et les murs qui communiquent avec l'extérieur.
Donc c'est vrai que pour le moment, je cherche une meilleure solution que ça, plus stable, et voire même l'idéal, ça serait une solution mobile, j'ai pas encore trouvé. On est bien parti pour ne pas remettre de solution de chauffage ici avec ma compagne, et c'était pas si facile que ça. Et je trouvais ça intéressant de parler des éléments d'explication. Dites-moi si vous comprenez ma démarche, et puis aussi vous-même vos astuces pour négocier avec les autorités compétentes. Dans votre logement, j'entends. Certes, je passerai bien sur un radiateur, mais comme je vous l'ai dit, il faut que je le dépanne. Et puis là, on est sur un petit volume d'air, de toute façon, qui se réchauffe quasiment tout seul quand il y a une ou deux personnes dedans. Et je suis preneur de vos astuces pour avoir une solution pour déposer le radiateur qui tienne tout seul au milieu de la pièce, vous voyez, comme un aspirateur quelque part. Oula. Oh dis donc, je l'ai foiré. Non mais regarde, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Vas-y, on s'était rouillé. Moi, je pense que c'est lui le coupable. Et où, surtout que parmi les pannes réparables, facilement, il y a le remplacement par un neuf. Faut faire attention néanmoins, parce qu'il peut y avoir des klaxons, là, des thermostats. Il peut y en avoir d'autres. Je n'en vois pas. La panne pourrait venir de la carte qui doit se trouver là-dessous, là. Je remarque que ça s'est dénudé, on dirait. Ici aussi, c'est pas dans un état fameux, je trouve. J'imagine que c'est la chaleur qui a fini par faire ça. Alors, je n'y connais pas grand-chose. 250 volts 10 A, ben, ça signale qu'il peut être alimenté avec du 250 volts, je suppose alternatif, jusqu'à un ampérage de, jusqu'à une intensité limite de 10 A. J'imagine qu'au-delà, il peut cramer, fondre. 70, je pense que c'est les degrés Celsius, c'est la chaleur à partir de laquelle il coupe quand il fonctionne bien. Mais là, je pense qu'il ne fonctionne plus correctement et qu'il coupe à 30 degrés, voire en dessous. Et KSD 301, je crois que c'est plutôt une référence du fabricant, je crois.
sais pas si cette référence serait utile pour trouver une pièce de remplacement sur eBay ou ailleurs. Alors, ce que je peux faire pour vérifier que le problème vient bien de lui, bah déjà je peux le tester au multimètre. Autre possibilité aussi, je peux le court-circuiter. Mais alors attention, parce que là, il faudrait relier de manière à ce que ça puisse laisser une certaine intensité, parce qu'on est quand même sur un appareil assez gourmand. Donc il faut qu'on puisse connecter avec une bonne connectivité, quoi. Et une section en cuivre, ce qu'on va utiliser, il faut être sûr et certain que ça va pas cramer ou fondre, alors que le problème ne vient pas de l'appareil, simplement il appelle une certaine intensité dans son fonctionnement normal, et que c'est faut être sûr que c'est pas nous qui avons créé une panne en mettant un truc pas assez costaud pour court-circuiter. Ce genre de truc que je cherchais. Voilà, c'est ce genre de choses que je cherchais. Je crois que j'ai récupéré ça sur d'autres convecteurs ou radiateurs plutôt, voire four à micro-ondes. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça devrait suffire. Si vous respectez pas bien cette étape, ce que vous en recourez, c'est fonte de métal, voire départ d'incendie, et voire aussi griller d'autres composants qui sont pas grillés à ce stade-là encore. Créer des pannes, quoi. Il fait du bruit quand je l'agite. Bon, c'est ultra temporaire, hein. C'est juste le temps de faire le test. Ça, c'est des vrais Vago. C'est une marque. Ça, c'est des faux Vago, premier prix asiatique, AliExpress. Bon, ce qu'on s'apprête à faire là, c'est dangereux. C'est pas conseillé. C'est juste quelques secondes histoire de vérifier que ça résout mon problème ou que ça semble résoudre. C'est pour ça que j'utilise une prise maître-esclave, c'est pour avoir plus rapidement de contrôle et pour pouvoir éteindre plus rapidement. Je me suis mis sur arrêt. Faut surveiller là. Ah, ça clignote alors que c'est pas encore sur marche. Marche. Et c'est du bois, hein. C'est posé sur du bois. Oh non, ça marche pas mieux. Hein. Il n'y a pas de détecteur de position hein, pour ceux qui se posent la question. Y en a une qui est froide et l'autre qui est chaude. Celle-là est chaude, mais tiède, hein, tiède en fait. Et l'autre est froide, définitivement froide. C'est délicat à tester parce qu'il faudrait que je fasse la même expérience de mesure de sa conductivité, mais en le montant à 70 degrés Celsius avec un thermomètre laser et un souffleur d'air chaud qui est un peu plus contraignant. Voilà d'autres klaxons à titre de comparaison que j'avais récupéré. Celui-là, c'est sur un radiateur de 2000 watts. C'est un 125 degrés Celsius. J'ai que du plus de. Enfin, celui-là, c'est un 120 degrés Celsius. Enfin bon, bref, c'est pas 70 degrés Celsius
comme la pièce d'origine, donc je vais pas m'amuser à faire le remplacement. J'entends là. Ah oui, non, sur tous là, j'ai le son. Ah, j'ai un son. Ah, donc il serait pas en panne. Hein. Il serait pas du tout en panne celui-là. Ce serait normal ce petit bruit alors. Ok. Ah, je sens. Si, je sens de la chaleur dessous. Ah, mais c'est cassé, non? Ah non, je crois pas. Ah non, c'est juste. D'accord. Il y en a une qui conduit et l'autre qui dissipe, j'imagine. Non, en fait, dessous là, je sens la chaleur sur celle-là aussi. Alors là, on a un condensateur. On a un relais, je crois. Condensateur ici aussi, là. On a un fusible ici, mais il m'a l'air bon, là, visuellement. Ah bah, vu le bruit, je penserais plutôt au relais. Je pense que c'est le relais qui claque. À moins que ce soit un des condensateurs qui est un peu trop fatigué, qui n'est pas capable de donner la tension suffisante. Bon alors, du coup, pour réparer ce radiateur, au bilan, vu les informations que nous avons prises, il faut que je débrase le relais pour voir si c'est lui qui est en panne. A priori, c'est plutôt ça, c'est lui qui est en panne. Ou alors, c'est le composant électronique qui commande le relais qui est en panne et qui le commande mal. Le truc, c'est que regarde, il est là le radiateur. J'ai un travail de débrasure que je devrais faire, que j'ai pas fait. Parce que bah, tu connais la vie, travaille sur plein de choses. Il y a des trucs beaucoup plus prioritaires, même si c'est très intéressant. Ça aussi, j'ai un plafonnier qui est en panne depuis des mois, que j'ai pas avancé. Là, j'ai un lave-linge, pareil, que je suis censé réparer. Là, j'en ai un deuxième de lave-linge. Et puis surtout, ça, c'est le radiateur en panne. Ça, c'est le volet que je dois installer depuis des mois. Là. Et ça, hier, j'ai trouvé un radiateur de la même taille, mais plus récent, donc qui consommerait moins et qui, ça se trouve, n'est pas en panne. Et j'ai un autre radiateur ici, trouvé au même endroit, mais celui-ci, c'est un double. Donc, non seulement c'est un truc que je génère, ça traîne depuis des mois, mais en plus, j'ai trouvé des trucs qui ont l'air de consommer moins et qui, ça se trouve, marchent. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour arrêter la vidéo, pour ceux qui veulent continuer. Là, a priori, on peut en discuter dans les commentaires. Hein. On peut en discuter dans les commentaires. Moi, je pense que je commencerai par débraser le relais. Surtout que si c'est ça, ça m'arrange. Parce que des relais, on peut en trouver sur des fours à micro-ondes en panne. Parce qu'il y a plusieurs relais de ce genre sur les cartes d'alimentation des fours à micro-ondes. Même en panne. Des fois, la panne ne vient pas du tout de la carte d'alimentation. Ou alors du fusible de la carte d'alimentation, mais pas des relais. Voilà. J'arrête la vidéo là parce que je ne sais même pas si je vais jamais me remettre sur ce sujet, continuer. Mais au moins, toi, si tu as un besoin, tu sais dans quelle direction. Moi, je continuerai. Et, je propose d'en discuter avec Romain de Triac à faire, avec Electro Bidouilleur,
PBE électronique, électronique passion, que tu retrouveras peut-être dans les commentaires, ou les passionnés, les autres passionnés qui n'ont pas de chaîne YouTube mais qui viennent commenter sur ce sujet régulièrement. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email. Et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.